Voilà mes amis Facebook Messenger et mes amis de YouTubeurs, YouTubeuses, ça y est, je suis entré à la maison, ça y est, je suis entré parce que j'ai fait le résumé à propos de Spider-Man. Donc j'espère que vous avez bien compris à propos de ça, c'est que c'est vrai qu'il est bien Spider-Man de côté, mais je trouvais que c'était un peu décevant. Ce que je trouvais dommage de côté, c'est que Marvel perd beaucoup l'avantage des fans, pas des fans, mais côté public, que DC Comics gagne en même temps vers les fans et les grands publics grand large justement. Oui, mais en même temps, c'est normal quand même. Parce que entre Marvel et DC Comics, c'est deux choses différentes. Premièrement, c'est que Marvel, c'est plus proche côté qui était acheté par Disney en 2008. Et oui, en 2008, c'est acheté Disney. Donc, c'est assez proche, évidemment, côté plus familial, que ce soit de côté entre Disney, évidemment, et que qu'ils ont transféré avec les super-héros. Parce que depuis quelque temps, il y a plus de 40 ans de ça, 40 ans de ça justement, Marvel Productions a travaillé avec Disney. Et donc, il a travaillé avec Disney avec les comics. Donc, ce n'est pas une grande nouveauté, mais c'est pour ça qu'on dit que oui, c'est l'habitude. Que par contre, la nouvelle version de DC Comics Studio, ils gagnent beaucoup plus vers le public parce que c'est pas même univers. Parce qu'il faut rappeler que DC Comics, c'est quand même assez sombre, on peut dire. Et on peut dire assez sombre. Et surtout qu'il faut dire carrément que c'est plus violent de côté qu'on voit côté de Batman, de côté de Superman, Man of Steel et Wonder Woman. Mais attention, il y aura aussi Justice League qui va arriver à partir du 15 novembre 2017. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres projets de DC Comics qui vont arriver normalement entre 2019. Donc il y a Justice League qui va arriver en 2019. Il y aura Man of Steel 2 qui va arriver en 2018. Et The Batman qui va arriver avec Ben Affleck. Donc dans un... Qu'est-ce qui s'est passé justement? C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que Marvel, on est un peu déçu cette année parce qu'il perd beaucoup plus d'avantages du côté pionnage, évidemment, c'est plus côté enfant qu'on trouve à propos des Avengers, des Gardiens de Galaxie, même si c'est bien, évidemment. Et on commence à perdre côté Spider-Man que, normal, c'est pas Sony Pictures, parce que Sony Pictures fait comme ils veulent, et on est en train de perdre côté des X-Men aussi. Alors maintenant, qu'il faut dire que est-ce que ça va continuer encore comme ça? C'est juste, je viens d'annoncer que déjà que Marvel versus DC Comics Studio, ça commence à déclarer au cinéma et ça va continuer encore. Et on sait côté cinéaste, en tout cas, on est en train de les perdre des super-héros de côté et on voit que c'est n'importe quoi. Ils ont fait à leur sauce, évidemment, ils ont fait le côté de l'histoire à leur façon. Et qu'on voit très bien côté Spider-Man, on voit le côté humour, c'est pas vraiment humour qu'on comprend, quoi. Et ça, c'est clair que c'est un peu décevant. Allez, tout de suite maintenant, on va envoyer beaucoup d'images, des vraies images de Comic Con. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveautés qui risquent d'arriver, qui va sortir en Etats-Unis, qui va arriver chez nous en France couramment fin 2017 et début 2018. Bienvenue à tous dans Spécial Comic Con International 2017 à la française. Mais attention, l'image que vous allez voir, il faut vous marquer votre langue de votre choix de sous-titrage en français, votre langue de votre choix, parce que c'est 100% anglais. Je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est Comic Con. Et il y aura aussi beaucoup de clips, que ce soit côté Linkin Park et d'autres artistes qui défendent la culture et pourquoi pas, évidemment, des tubes exprès pour Comic Con. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et si vous aimez ma première vidéo de le printemps de Comic Con International spécial 2017, eh bien, envoyez plein de commentaires et marquez-y d'être mot et envoyez commentaires. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour les autres résumés des actualités qui vont nous passer au couramment pour les passionnés de comics. Allez, à tout à l'heure et envoyez plein de commentaires, c'est très important. Et je vous aime très fort. Envoyez un commentaire, c'est important.